Bonjour à tous les amis, on se retrouve pour un nouvel épisode donc de Watch Dog. J'espère que vous avez passé un très bon week-end. Donc pour faire un petit résumé de ce qui s'est passé la semaine dernière, donc on a perdu un membre de notre équipe Dead Sec puisque Horatio a été assassiné, enfin oui, il a été tué par un gang hispanique, les Tescas. Désolé si j'écorche le nom de ce gang. Donc du coup, on a mis à mal une de leurs drogues. Donc on va bien évidemment les faire payer puisqu'on a on n'est pas tombé sur eux hein, directement. Donc là, on va essayer de d'éventuellement les neutraliser. Mais pour cela, on a pas mal de nouveautés aujourd'hui, notamment alors pas l'arbre. L'arbre de compétences, mais plutôt les opérations en ce qui concerne les opérations. Donc, à savoir que il y avait deux opérations principales qui sont apparues, dont l'une qui est réservée plutôt pour la fin du jeu, l'opération voilà, principale sur la fin de Plume. Donc, nous on a deux opérations principales, on a observé et on avait une opération concernant, avant qu'elle soit terminée. Non, œil pour œil, voilà, c'est ça. Alors, par contre, pense pas que c'était celle-ci. Voilà, c'est celle-là. Parfait. Les Tsekas, c'est le nom du gang. Donc nous sommes ici, nous devons. Et là, heureusement, bon, c'est pas très grave. De toute façon, pas très grave si on n'a pas la possibilité. Parce que parfois, il y a des missions. Alors, pas parfois. Disons que il y a une fois où c'était exceptionnel. Le fait de pouvoir faire un trajet rapide sur une mission directement désignée. Mais c'était le cas notamment sur une des missions où on devait aller sur notre quartier général. Très loin. C'est l'éclaireur. Nous voici. Voilà. Salut, t'as vu quelque chose? Content de te voir, Retro. Tu sais, toute la communauté d'Edsec te soutient à 100%. Tout le monde adorait Horatio. Ouais, ça lui aurait fait plaisir. Bon, c'est quoi le topo? J'ai piraté une caméra de sécurité et j'ai remonté quelques heures avant. J'ai vu des Tescas qui chargeaient des caisses sur un bateau. Il y avait tout un tas de types armés. Cool, je préfère quand c'est difficile. Merci pour les infos. Bonne chance, Rétro. Rétro. Ok, bon bah on va détruire encore des caisses de... Enfin, encore. Disons qu'on va détruire des caisses de cocaïne. On avait détruit de la marchandise dans leur repère. Là on va directement y aller. Par contre... Je devrais peut-être jouer au chat et à la souris. On va voir. Non, c'est pas ce que je veux faire, mais c'est pas grave. On a une leçon à donner. Je compte sur toi, mon frère. Laissons-les entrer d'abord. Moi, je vais essayer de faire quelque chose en tout temps. Qu'est-ce que tu fous là, toi? Alors attendez, si tu viens, je te promets que je te tuerai rapidement. Ouais, ils sont pas avec moi. Je vais les laisser faire. Et nous, on va continuer notre mission. On devra peut-être appeler notre gang. Je sais qu'il y aura un peu de renfort donc. Hey mec, ça coupe. Allô? Non mais merde.
Cette fois, on le tient. Tant qu'ils sont trop d'une, on va détruire la caisse de cocaïne. Malheureusement, on ne peut pas accéder à cette caisse. C'est dommage. Bon, c'est pas grave. La police ? Non, je pense pas là. C'est une voiture identique. Je peux essayer de trouver quelqu'un qui possède cette fameuse clé, quoi. Oui, par ici, piraté. Ah, ma fenêtre. C'est peut-être. Voilà, j'ai impliqué la police. Je t'entends plus du tout. Clap. Bon, malheureusement. Le problème c'est que si je rentre en même temps, la police va m'embattre. Le seul moyen de pouvoir rentrer à l'intérieur c'est d'aller en force. Qu'est-ce que je vais faire? Allons-y. Allons-y. Ça va pas leur plaire. Allez, plus que trois. Et voilà. Allez, plus que deux. Celui-là, c'est réglé. Bon, plus qu'un. Merci, mon ami. C'est sympa. Alors, attendez. Que c'est ? On va voir si ça va le faire. Parfait. Ok, allons-y. Je vais tirer d'ici maintenant. Le stock de cocaïne est totalement. Un peu haut, mais ça va le faire. Maintenant, les Tescas savent qu'on déconne pas. Tire-toi vite de là. Ne demande pas à deux fois. Voilà. Bon, on s'est pas fait repérer. Maintenant, on peut partir en silence. D'ailleurs, je pense que j'ai toujours mon véhicule puisque je me suis pas. Non, je l'ai pas. J'ai pas mon véhicule, mais il y en a un juste là. Pas plus mal. Je sais même pas si c'était le mien. J'avais pas fait attention, je vous avoue. Allons-y. C'est un conflit. Il va être en colère après moi.
niveau 10. Les Tescas qu'on voit dans la vidéo, c'est ceux qu'on tuait Horatio. C'est eux les prochains. Le chef, c'est Pablo l'écorcheur. Il se planque quelque part. Les autres, c'est Luis Travino, Tina Huerta et Jorge Gutiérrez. Ils sont réunis dans les canaux pour décider d'un plan d'action contre DedSec. Ok, on va se les faire. Ok, bon. On va se les faire. C'est le plan. Allons-y. Trouver l'éclaireur de DedSec près du rendez-vous. Parfait. Alors. Pas la porte à côté, mais je préfère utiliser un voyage rapide. Ça me permet de gagner du temps. Alors, est-ce que je peux me. Je pense que je peux prendre cette voiture, il n'y a personne dedans. Parfait. On n'est pas un lecteur en conduite. Hein. Tout de suite. Je ne cherche pas à l'être. De plus, j'ai pas mon permis. Et si je l'avais, je vous rassure, je ne conduirais pas comme ça. Nous y voici. Une dernière petite chose à vérifier. Non, pas. Je peux pas. J'aurais été dans l'éventualité de augmenter mes botnets, mais pas escalader. C'est pas très grave. Mais c'est pas là-dedans que je dois aller, donc. Content de te voir, Retro. On est tous super fiers de ce que tu fais pour venger Horatio. Merci. Vas-y, je t'écoute. J'ai intercepté leurs appels téléphoniques. Travino est déjà là. Les deux autres vont pas tarder à arriver. C'est tout ce que j'ai besoin de savoir. Tu devrais te trouver un coin sûr. Bonne chance, mec. Neutraliser Tavino, Gutiérrez et Huerta. Bon. Ça va pas être une partie de plaisir. Je sais pas si. Alors, apparemment, ils sont tous les trois dans la même pièce. Non. Ça aurait été trop beau pour être vrai. Ok. Bon, quoi qu'il en soit, j'ai une idée. J'aurais bien aimé. J'espère que eux ils sont pas des ennemis. Enfin, ça va. C'est du civil. Parfait. Ça me laisse un peu manquer. Entre le gars il est en voiture. Attention, nous ne voyons pas voir. Voilà. Je vois Gutiérrez. Il sera là dans quelques secondes. Parfois mieux vaut utiliser quelque chose de plus simple plutôt que d'aller directement au front. Par contre lui il est en voiture, ce qui risque d'être un peu difficile. Peut-être qu'on devrait attendre si. Alors je suppose qu'il va se garer. Dommage. Alors, hors de portée. J'ai Tina Huerta en vue. Elle vient d'arriver. Dommage pour sa gueule. Il faut un bon angle pour pouvoir. Voilà, c'est vrai. Qu'est-ce qu'il va détecter ? Bon, ça ne change rien de toute façon. L'arme lourde. Bon, au moins il va y avoir des renforts qui vont arriver, pas pour moi. Je vais voir ce que vont faire les hommes que j'ai envoyés. Par contre, il va venir me prendre la tête. À moins que ce soit lui-même. Non, je pense pas qu'il soit après moi. Je pense qu'il fait partie des hommes que j'ai envoyés.
Restons sous nos gardes. Non ! Sortez et trouvez-moi ce fils de pute ! Attention. Yo ! Personne attaque les Tescas ! Personne ! Est-ce qu'il va venir à moi ou... Ah, t'es, tirons-nous. Je pense qu'il va venir à moi. On va changer de position. On va tenter autre chose. Attention. J'aurais peut-être... C'est quoi ça? Ils m'ont pas vu, donc je pense pas que... À toutes les unités, on a un 10-31. Avis de recherche pour un criminel en fuite. Le City West détermine la position du suspect. Agissez avec la plus grande prudence. Non, je vais... à pied. Et quoi, on va gagner du temps parce que j'ai pas que ça à faire. Oh, attention à lui. Il va me buter. Pas dans la tête, ça serait pas mal. On nous signale la présence d'un suspect dans votre secteur. Bon, attention. Je veux pas que c'est mieux. Attention. Je me fais détecter par qui? Par eux? Ils appellent des renforts pour moi. Ils devraient appeler des renforts pour leurs amis. Ok, vous savez quoi? Prendre la tête tout cela, je vais tenter quelque chose. On va prendre une moto, je vais buter de manière la plus simple possible. Déplaçons la moto, je vais buter comme ça, peut-être mieux je pense. Là, il s'est barré de l'autre côté. D'abord je vais me débarrasser de là. Oui, non, j'arrive pas à la voir. Où est-ce qu'elle est celle-là? Oh, attention, je vais mourir. On va se couvrir. Parfait, merci, au revoir. Bon, je suis toujours vivant. Par contre, je m'occuperai de l'autre plus tard. Je me débarrasse de l'autre qui est en train de courir. Cette ordure voilà, de crapinot nous fera plus chier. Dans ton cul. Elle est pas se louper là. Maintenant le dernier. Marcus, le dernier essaye de se barrer. Surtout tu laisses personne s'enfuir. Sûr, bien sûr. Il faut une bagnole. Vite. Au moins personne ne va pouvoir me déranger quoi. Vite. Pas envie que la mission échoue. Allons-y. C'est pas la meilleure façon de faire mais... Pas trop d'importance, vous avouez. Ce qui compte c'est que ce soit fait. Alors où est-il? Est-ce qu'il est à pied? Non, je me doute. Ok, il est là. Salut mon pote. C'est bon. Mais voilà, il est mort. Gutiérrez. Au revoir, mon pote. Huerta, Gutiérrez, Travino. Un semblant de justice pour Horacio. Barre-toi de là. Pablo est le prochain sur la liste. Ça m'a beaucoup plus tôt. Voilà. Terminé. Accompli. Nouvelle opération disponible, tueur. Jack.
Bon, reste plus qu'à nous occuper du boss. Pablo l'écorcheur. Il organise des combats de chiens dans le Chinatown d'Oakland. On a un membre de DedSec sur place pour repérer les lieux. On va se le faire, Marcus. Ok, les amis. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Prochaine opération, donc toujours la même. Hein. Je pense pas que ce soit une différente. Donc on va s'occuper du boss du gang Deskas. Je me rappelle avoir fait cette mission parce que on va être, ça sera dans un espèce de, restaurant bar café. On organise des combats de chiens. Donc il faudra juste s'occuper du boss et ensuite la mission sera, enfin l'opération sera terminée puisqu'on va se venger de la mort d'Oration. Du coup, je vous remercie d'avoir suivi Marcus, cette vidéo. Regarde un peu les SMS d'info. Et on se retrouve du coup jeudi. Voilà, à bientôt. Oh merde. Ciao, ciao.